Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le troisième épisode de cette nouvelle partie débutée en début de semaine après ma crémation dans le Nether. Je suis désolé hein, pour la coupure juste au moment où je passais le portail dans le dernier épisode. J'ai pas fait gaffe en fait, j'ai appuyé sur le bouton qui a fermé l'enregistrement, qui a quitté l'enregistrement. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses, mais pas dans le Nether, plus dans le village. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, vous voyez que j'ai deux nouveaux compagnons. Deux loups apprivoisés que j'ai trouvés en fait pas très loin d'ici. Un petit peu au fond là-bas. Ils sortaient tout juste. Oh super, la pluie qui arrive. Ils sortaient tout juste de la forêt là-bas. Et j'ai réussi à les amadouer avec un petit peu d'os. Le village qui a bien évolué. Ah tiens, c'était pas présent tout à l'heure ça. Voilà, j'ai fait une petite descente des arbres, des cerisiers pour décorer un petit peu le secteur. J'ai changé l'emplacement de ma maison qui se trouve maintenant par ici. Et comme vous pouvez le voir, l'élevage intensif se développe et ça m'a permis en fait de gagner pas mal de niveaux et ainsi de pouvoir enchanter des nouveaux outils. Voilà. Parce que donc j'ai maintenant toute la protection en diamant et tout ça c'est enchanté. J'ai aussi trois pioches en diamant enchantées, donc c'est des enchantements que j'ai fait moi-même. J'ai pas récupéré grand-chose de la part des villageois. Et je m'en plains un petit peu. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même été faire un petit tour dans le Nether. J'ai ramené un petit peu de quartz. J'ai ramené aussi des plantes que j'ai installées à côté de ma maison. Hop, je fais un petit peu de nettoyage parce que en fait, j'ai cherché. On l'entend, il est où? J'ai cherché à retrouver. À retrouver un villageois qui n'a pas de métier. Alors lui, je comprends toujours pas pourquoi il est là et il veut pas dormir ici. Enfin bref. Ah, peut-être que je pourrais lui mettre un lit là-haut. On va essayer ça. Il veut pas venir ici alors qu'il y a de la place. Lui, il a spawné ici, me demandez pas pourquoi. J'ai essayé de le faire sortir, il n'a pas voulu. Casser les murs, casser les portes, enfin bref. Donc il y a un moment, ça suffit quoi. Ah, bon, déjà ça lui plaît. Allez, comme ça au moins il dormira. Parce qu'il avait des grosses cernes. Voilà, en voilà un, c'est fait. Et vous l'entendez? Il y en a un autre. Et je ne sais pas où il est. Alors, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici où il reste en plus de la place. Les deux maisons ici sont vides. Voilà, c'est bien ça. Et potentiellement, s'il reste un villageois, il est là-haut. Mais là-haut, je ne sais pas où. Bon, ça, je suis pas sûr que ça va pousser. Voilà, donc là j'ai été chercher des plants tout là-haut. Là il n'y a personne. Et je les ai replantés un petit peu aux alentours ici. Pourquoi il y a des golems là-haut? Si ce n'est pour protéger un villageois. Mes villageois dont je ne sais pas où il est. Enfin, j'ai. Oh, y a du monde en plus ici. Hein. Normalement, les golems spawnent à partir du moment où il y a un villageois qui est effrayé. Si j'ai bien tout compris. Donc,
on essaye de créer des zones lumineuses un peu partout pour éviter que ça spawn et pour éviter que les golems aillent se promener n'importe où. Manque de bol, j'ai donc, comme je vous disais, des villageois qui se promènent n'importe où. Et je ne sais pas où ils sont. Non, toi, je t'ai vu, toi. Va-t'en. Et encore un petit coup. Voilà. Ah non, mais là, ça va. Eh, oh, faut arrêter, là. Aïe! Bon, bah voilà, tout ce qu'il fallait pas. Ouais, non, c'est bon, je me casse, moi. Allez, ça sera du boulot pour les golems. Bien qu'ils servent à quelque chose. Pof. Allez, tant pis. Il reste un villageois, je sais pas où il est. Il grogne là, j'entends. Il est pas là-haut quand même. Mais sérieux, il est où? Non, barrez-vous les chiens là. Je l'en... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Allez! Donc il y a plusieurs façons de faire descendre les villageois de ce genre de choses. Le bateau, c'est une solution. Mais on peut aussi juste les pousser comme ça. Il se blesse et il va faire quoi? Il va remonter. Je sens que je vais les bloquer parce que lui, il cause... me casse les pieds. Non, allez, vas-y. Allez, allez. Voilà. Oh, punaise. Bon, toujours est-il qu'il m'en manque encore un. Je sais pas où il est. Et ce village commence à me casser un petit peu les pieds. Donc, on passe une nuit de sommeil. Ah oui. Vous remarquez les jolies bannières menaçantes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Après une bonne petite nuit de repos. Voilà. Alors, on a entendu le pop. Pop, pop, pop. Des poules pondeuses. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'occuper d'elles. Juste faire gaffe, là je vois qu'il y en a une qui se promène là-bas, donc je vais pas la laisser tranquille. Je vois que là-bas, les golems sont tous sur la montagne. Et moi je me continue à me gaufrer comme une tarte. Alors. Je vous avais déjà expliqué, ou je vous ai déjà montré dans le premier épisode, qu'il y a donc un village de l'autre côté. Dans ce secteur par là-bas. Et pour l'instant, j'ai pas été voir quoi que ce soit. Je me disais que j'allais me préparer tranquillement pour leur ramener, enfin, pour créer des villageois et donner des métiers bien précis. C'est pour ça que vous m'avez vu tout à l'heure avec le nécessaire pour le maçon, de manière à arriver là-bas directement avec ce qu'il faut pour faire évoluer les villageois et éventuellement les faire se reproduire d'une manière un peu plus maîtrisée en fait que ici. Bon, pour l'instant, c'est pas l'objectif, j'ai quand même prévu de vous emmener avec moi dans le Nether et vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait trois pioches parce que le Nether, le secteur du Nether que j'ai trouvé, potentiellement, il ne me paraît pas trop dangereux. Et ça pourrait être pour moi l'occasion de faire mes premières recherches de Netherite. Chose que je n'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent. Mais laissez-moi vous faire voir la petite découverte que j'ai faite en partant par ici. Donc là, le village est là. Hein, on a toute cette belle zone de cerisier. Et par ici, bah, j'étais pas passé parce que j'étais passé par là-bas, j'ai été par là-bas. Donc je me suis dit, bah tiens, grimpe donc par ici. Le spot potentiellement m'intéresse pas, il y a de la neige là-bas, c'est vraiment pas une zone qui m'intéresse. Et je suis arrivé ici
Et ah, tiens donc, nous avons ici, vous les voyez, ces pilleurs et donc leur zone ici. Alors j'ai été faire une petite inspection et je dois avouer que j'ai failli y rester quand même. Je suis parti un petit peu à l'arrache avec donc juste à ce moment-là j'avais que les chats avec moi donc bah, ils m'ont pas trop aidé. J'étais équipé avec mon arc enchanté donc pour ça c'était plutôt pas mal. Mais j'avais de quoi me nourrir. J'avais aussi pris ce qu'il fallait pour potentiellement ne pas subir le châtiment quand on tue quelqu'un qui porte la bannière menaçante. Mais voilà, lui, il est venu me chercher. Ah tiens, j'ai trois chiens. Je crois que j'en avais que deux. J'ai dû les faire se reproduire sans m'en rendre compte, entre parenthèses. Donc voilà, donc je suis venu ici, je suis monté. Ah, il y en a un tout en haut là. Je suis monté dans la tour. J'ai été piquer ce qu'il y avait dans le coffre, pas grand-chose, une petite potion d'XP. Je crois qu'il y a eu un livre enchanté. Bref, pas le truc extraordinaire, extraordinaire. Mais surtout, en fait, je me suis retrouvé coincé là-haut. Et oh, un âne. Ouh, génial. Et donc presque incapable en fait de repartir. Et oh, en plus il est bien Stan. Donc j'ai un peu galéré quand même. Et finalement je me suis extirpé de là-bas. Parce qu'il faut dire que l'intelligence artificielle de ces pilleurs est pas franchement poussée. Donc je me suis mis d'un côté de la tour. Je les ai attirés, j'ai couru de l'autre côté et je me suis enfui. Voilà. Alors je me suis enfui en laissant un golem enfermé là-bas. Donc potentiellement ça pourrait être un objectif d'une prochaine vidéo. Avec, voilà, la récupération de cet âne. Malheureusement je n'ai toujours pas de selle donc je ne pourrais pas le ramener avec moi. Mais au moins le récupérer et potentiellement le ramener au village, voire même qu'il m'aide à transporter des affaires d'un village à l'autre, parce que ça sera dans les objectifs à venir, dans les jours à venir. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de cet emplacement-là. On reprend des forces. Voilà, là on en voit un, deux. Oh, je vais pas aller les chercher maintenant, c'est pas la peine. J'ai ce qu'il faut au niveau expérience pour aller faire quelques enchantements complémentaires. Mais ça donne toujours envie. Voilà. Allez, on passe là-dessus. On reviendra et oui, comme je vous dis, je pense que je referai un épisode rien que pour ça. Alors, nous, en attendant, eh ben, hop, on va descendre au portail là-bas. Et on va aller faire un petit tour dans le Nether. Hop! Voilà, alors, hors de question que j'emmène les animaux avec moi dans le Nether, et toi, je penserai à te donner à manger en rentrant. Donc ça, c'est pas nécessaire. Ça non plus. Potentiellement si, mais peut-être pas. Ouais, autant. La lave.
Techniquement, j'en ai pas besoin. L'eau, normalement, non plus. Mais on sait jamais. Ah, j'avais pas fait gaffe. Voilà, donc on s'équipe avec au moins un élément comme ça. Et c'est parti, direction le Nether. Et cette fois-ci, on y va pour de vrai. Alors, voilà pourquoi je vous dis que je laisse les animaux. Parce que lui, en fait, il m'a accompagné dans la descente. Voilà, dans la traversée, pardon. Et bah, j'étais pas trop content parce que je me suis dit, je vois pas comment je vais pouvoir le ramener s'il veut pas venir avec moi. Mais je resterai quand même à la fin de cet épisode. Épisode où je pense que je vais inspecter un petit peu plus le secteur. Parce que je dois vous avouer que j'ai fait un petit peu le tour. Vous allez voir tout là-haut. J'ai trouvé une zone qui me paraissait sympa pour faire des recherches de netherite. Et je ne vais pas les faire à la TNT. Je ne vais pas les faire avec des lits. Comme je me l'étais imaginé dans les épisodes. Pas dans les épisodes, mais dans les parties précédentes. Donc là, je vais vraiment le faire en minant. En minant la netherrack. Mais pour cela, avant, je vais vérifier, voilà. Donc là-bas, il y a un peu de monde. Je pense que je vais couper tout le bois carmin qui est là. Attentif, excusez-moi pour le manque de son, mais je suis très attentif à tous les bruits que je peux entendre. Voilà, il est là-bas en bas, c'est ça. Donc lui là-bas, je vais le laisser là. Et j'essaye de voir si je peux repérer un bastion. Parce que j'aimerais bien quand même pouvoir faire des potions. Même d'ici dans cette partie-là, bah, je n'ai pas de village zombie comme je l'avais dans une de mes parties précédentes. Et je dois vous avouer que je regrette amèrement à chaque fois de perdre. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans chaque partie, il y a des possibilités qui me sont offertes de faire des nouvelles découvertes. Et donc, j'ai toujours un petit peu la haine de perdre, mais c'est le principe du jeu en hardcore, c'est que si on fait une connerie, et ben on le paye chèrement. Ah, là voilà. Alors, je l'entendais tout à l'heure, hein, mais je n'avais pas vu où il était. Là maintenant, lui, il m'a peut-être repéré, il va me tirer des boules de feu. Faut surtout que je fasse gaffe de pas trop me rapprocher de mon portail, parce que sinon, il serait capable de détruire le portail, et j'aurais l'air d'un... Voilà, il est là-bas. Ouais, c'est ça, barre-toi. T'as peur, hein ? Non, c'est moi qui ai peur. Donc là, lui, voilà, je vais le laisser au loin. Très bien, bah, bastonne-toi avec, c'est très bien. Un beau raté. Sur qui j'ai tiré? J'espère que c'était pas le piglin. Il est où? Il est là. Yes, je l'ai eu. Hop. Du porc, ben c'est parfait ça. Alors, j'ai cru lire à certains endroits qu'on pouvait apprivoiser ce genre de bestiole. Je dois vous avouer que je vais même pas essayer. Et par contre, le piglin... Oh, il y en a de plus en plus. Eux seraient potentiellement intéressants. Oui, tout va bien. Pour faire de la transaction avec de l'or.
Alors on va tenter de faire ça. Allez, viens là le chat. Viens avec moi le chat. Ça y est, t'as traversé? Non, pas encore. Viens par là. Viens là. Te fous pas là-dessus, viens avec moi. Ah, c'est pas vrai. Il y en a encore un là. Vraiment pas à l'aise. Allez, on retourne. Oh, excellent, le chat m'a suivi. Reste là. Ouf. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je laisse ici? Qu'est-ce que je ramène avec moi? Ben, je ramène tout, sauf ça. Ça va me servir pour les animaux. Ça, éventuellement, ça peut rester ici. Oh, bah excellent. Alors, toi, j'ai vu tout à l'heure que t'étais pas trop. Voilà. Pas trop en forme. Alors, vous avez pu le voir, chacun de mes animaux, enfin chacun de mes loups apprivoisés, ont le droit à une petite couleur. Et les chats, donc, vous êtes maintenant 3. Mais non, vous étiez déjà 3. Oh, punaise, je sais pas du tout. Allez, on se rentre. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer le Nether exactement comme je le voulais. Donc, on va y retourner vite fait. Mais seulement après avoir pris un petit peu d'or pour aller faire des échanges. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Allez, on est prêt, on y retourne. Et je m'en doutais. De toute façon, ce chat, il veut absolument rester avec moi. Donc tu vas rester là. Alors, tout à l'heure, on avait donc du piglin. Et j'avais oublié de vous montrer, voilà, cette zone que j'ai commencé à nettoyer. Et je vais descendre au fur et à mesure dans cette zone. Même si, d'après ce que j'ai lu, il faut trouver un niveau spécial, enfin un étage ou un niveau spécial. Et donc, comme je n'utilise pas les astuces pour d'éventuels récupérer une seed ou récupérer les coordonnées d'un endroit, voilà. Donc comme je n'utilise pas ces outils-là, non pas parce que je sais pas les utiliser, mais principalement parce qu'en fait je me dis que je ne dois pas les utiliser, je suis comme si j'étais sur... Ah tiens, il y en a en bas aussi. D'accord, des flèches spectrales, j'imagine. C'est ça. Donc voilà, donc je ne vais pas les utiliser et donc je vais tenter
de trouver tout ça un petit peu à l'arrache. Allez, allez, donne-moi des potions, donne-moi, je ne sais pas moi, des objets enchantés. Ben voilà, il suffisait de demander. Agilité des âmes. Oh, alors celui-là, je le trouve horrible. Il nous fait courir à toute vitesse. Sur le sable des âmes. Mais il va tellement vite, en fait, que j'ai l'impression qu'on perd. On perd les repères de déplacement. Bon, là, je suis en mode. Ah, ça y est! Première potion. Résistance au feu. Non. Potion de résistance au feu jetable. Si, ça c'est pas mal ça. Allez, allez, jeune homme. Qu'est-ce que tu m'as donné? Ouais. Oh là, ça y est, j'ai plus de place. Bon, allez, je récupère. Ils vont vouloir faire du deal aussi. Ah voilà, non mais... Pourquoi? Pourquoi? Ouf! Oh non non! Mais non, sérieux! Qu'est-ce que je leur ai fait à ces... Heureusement qu'ils n'ont pas d'armes à distance. Ah, pitié, quoi. Et donc là, maintenant qu'ils sont ici, ils se sont transformés en cochons zombies. Mais ils ne me veulent plus de mal. C'est bien ça, hein. Oh la vache. Oh le stress. Quoi. Ne vous approchez pas de moi, les gars. Oh purée. Pourquoi j'entends le chat? Bah oui, parce qu'il est juste de l'autre côté. Bah oui, mais moi j'y retourne pas là pour l'instant. Ah non, t'es là. Allez, viens avec moi, toi. Vous, je vous laisse là, mais... Oh, punaise, ça a failli mal se passer. Bon, bah j'ai trouvé mon... Mon titre pour cette vidéo, mais je dois vous avouer que j'ai quand même un peu flippé là. Je sais pas combien de cœurs il me restait, mais je pense qu'il m'en restait pas tant que ça, quoi. Ouf. Bon, le stress. Oui, et puis en plus, alors non, faut que je me vire ça. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça plus tard. Bon, bah voilà, je vais vous laisser là-dessus. Un épisode un petit peu particulier. J'ai eu, je dois vous avouer, un petit peu peur d'y rester, mais finalement, je suis encore vivant et je vais pouvoir continuer cette partie avec donc comme objectif cette fois-ci de pas retourner dans le Nether pour l'instant. Il va me falloir je sais pas, des protections complémentaires ou... franchement, j'en sais rien. Donc, à venir principalement m'occuper du second village là-bas et d'essayer de le développer au maximum. Regardez, il y en a encore un là-haut. C'est toujours le même en plus. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Sérieux? Ah non, mais ils sont complètement barges dans ce village. Donc, il a commencé à bien se développer, mais maintenant, là, ça part en cacahuète quand même. Il est là-haut. Allez m'expliquer pourquoi il est là-haut, je ne sais pas. Son... Ah ben le voilà l'autre, le du villageois que je cherchais. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est coincé ici, lui? Bon, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, parce que là, ce village et le développement de ces villageois là commence à me rendre fou. Mais si lui il ne bouge pas d'ici, bah c'est très bien, ça va faire un maçon qui va s'installer là, juste pour faire
du deal avec eux, ça se passera certainement mieux qu'avec les piglins. Allez, sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Je vais quand même farmer un petit peu dans l'autre village. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très très bientôt. Salut!